Alors, la ferme de la Motte vient à Fruit Logistica pour trouver de nouveaux clients, notamment à l'export, se faire connaître et revoir ceux qu'on a déjà, entretenir des relations et également trouver de nouveaux clients pour nos produits. We are a company of producers of fruit in Portugal, mainly pears. We are here to get new customers. It's a place where we can meet the customers that we already have, because they always come here, and it's an opportunity to talk with all of them. D'abord, pour que on puisse voir nos clients, tout le monde vient là, et une relation clientèle, c'est très importante, française et étrangère. La première fois qu'on est venu à Fruit Logistica, c'est il y a 5 ans. Il est passé beaucoup de temps, c'était vraiment une vraie découverte. On est vraiment dans le monde des fruits et légumes, on a eu énormément de contacts par les clients. Le producteur de légumes de l'OP Agrial, qui a pour commerce Priméa les Florettes, je viens au Fruit Logistica pour aider d'abord nos commerciaux à faire le contact entre leurs clients et les champs. Et donc ça permet concrètement de mesurer, de tâter, de toucher du doigt les aspects commerciaux. Donc voilà, et puis de nous situer aussi par rapport à la concurrence, alors certes française, mais aussi des autres pays, et donc de mieux appréhender notre place dans ce marché-là. Nous sommes ici à Fruit Logistica pour représenter toutes nos nouvelles variétés, pommes à chair rouge, variétés résistantes à la tavelure, nos nouveaux abricots et notre nouvelle gamme de pêche très prochainement. And we've been coming to this show for 16 years. It's a very international show for us. We export almost 40% of our crop from the US. So this is an excellent place to see people from all over the world. Et c'est un lieu à la fois de rencontre pour l'ensemble des professionnels, c'est un lieu d'observation, de voir ce que font nos partenaires européens, mais aussi les pays tiers. Et c'est pour tous les professionnels français, pour Interfel, un lieu de rencontre qui permet aussi, comme pour une entreprise, de lier des partenariats et faire des rencontres. Notamment, nous avons prévu de rencontrer nos homologues qui ont aussi des interprofessions dans d'autres pays, parce qu'il est important aussi que le fait interprofessionnel qui existe dans différents pays, nous puissions ensemble expliquer, notamment par les temps qui courent à la Commission européenne, à quoi servent les interprofessions, à la fois sur les marchés nationaux, mais aussi les actions que nous faisons en commun sur les marchés extérieurs.